YouTube, dernier Theorycraft de la semaine, ça y est, on y va. Grand pas. Grand pas. Un monotype vent qui est placé en limited pick est vrai, mais qui fait quand même énormément le café en termes de dégâts et aussi par ses grosses priorités, puisqu'on va pouvoir avoir la tornade, on va avoir la mélancolie, on va découvrir tout ça, vous inquiétez pas. On a deux traits assez intéressants. Selon votre type de gameplay, on va plutôt choisir persécuteur si vous êtes vraiment très très aggro, puisque persécuteur va vous rajouter 30% de dégâts supplémentaires si vous avez des alliés qui arrivent à taper avant Grandpa et qui arrivent à mettre KO un Temtem en face. Grandpa va profiter de 30% de dégâts supplémentaires. Héroïque par contre peut être assez intéressant s'il y a plus de gens en face de vous qui sont encore vivants. Héroïque va rapporter 30% de dégâts supplémentaires. Je suis plus côté héroïque. En termes de traits, je trouve qu'il est plus souvent utilisable. Et alors, on va regarder ces statistiques qui sont quand même lamentables en endurance. Et le problème avec Grandpa, c'est qu'on va manquer énormément de stamina par rapport aux techniques qu'on va devoir utiliser avec lui. Et les techniques qu'on va le plus souvent utiliser avec Grandpa, ça va être Hypoxie et Tornade qui ont le même coût en stamina. L'un est une priorité 3 et fait plus de dégâts, l'autre fait quand même très très mal pour un tour 1 et c'est ça qui est super intéressant également avec Grandpa. Donc, qui dit problème de stamina, dit fausse barre. Voilà, je vous le dis direct, fausse barre, tonifié pendant 2 tours, on y va, on divise par 2 le coût de ces deux techniques. C'est un peu comme une marque hein, quand on utilise fausse barbe pour Grandpa. La fausse barbe, le premier utilisé, le deuxième au même prix. Voilà, donc on réduit de 2, donc 30 divisé par 2, 15, on va pouvoir faire 15 et 15. Vous voyez où je veux en venir. Les deux au prix d'un, c'est plutôt ça. Derrière, par la même occasion, Grandpa, on va vouloir utiliser Hypnose puisqu'on va le jouer avec de la vitesse. Donc on va pouvoir contrôler le terrain avec. Et qui dit manque de stamina, dit derrière Mélancolie. On va pouvoir récupérer 23 de stamina derrière. Et rattraper un peu ce qu'on a perdu. Ici. Donc on va d'abord calculer la stamina. Hein, donc les deux pour le prix d'un, vous avez bien compris le principe, 43 moins 15, puisque Hypoxy va coûter que 15, plus 4, moins 15, plus 4, on fait les deux en même temps, et on tombe à 21. Et c'est là qu'on regarde tout de suite si, avec la mélancolie, on va pouvoir récupérer assez de stamina pour refaire une Hypoxy ou une Tornade. Parce que là, entre les deux, on peut faire Hypoxy, Hypnose, Tornade, ou Hypoxy, Tornade, Hypnose, avec cette stamina-là. Donc, si on décide de faire moins 15 plus 23, qui est la stamina qu'on récupère avec Mélancolie, plus 4, celle qu'on récupère à la fin du tour, on peut refaire une Tornade ou on peut refaire une Hypoxie. Ou on peut refaire une Hypnose. Vous voyez où je reviens. Mais si jamais j'ai envie de faire une Hypnose ici, moins 17 plus 4, il va nous manquer 10 points de stamina. Donc on va quand même rajouter 10 points de stamina à ce Grandpa pour qu'il puisse profiter d'une assez bonne longévité. Voilà. Derrière, on va vouloir mettre de la full attaque spéciale, bien évidemment, puisqu'on ne joue pas avec l'éventail, donc on ne va pas avoir de dégâts supplémentaires. Et ce qui est agréable sur Grandpa, c'est qu'on peut mettre les 500 points d'un coup, donc pas de problème pour TV Train. Merci. Ça fait plaisir. On veut qu'il soit assez rapide. On va le faire arriver à un palier assez élevé, les fameux 181 de base, qui vont pouvoir permettre de se passer pas mal de Temtem. En tout cas, ceux qui ne sont pas investis en vitesse. C'est surtout ça, les histoires des paliers, c'est ceux qui ne sont pas investis en vitesse. Et on peut avoir 124 ici qui peuvent être mis en point de vie. Et alors maintenant, là c'est un choix que vous devez faire vous. Si vous trouvez que les 101 en stamina c'est beaucoup trop investi pour Grandpa, vous pouvez vous dire ok, je n'ai pas besoin de cette dernière rotation de technique avec mélancolie, hypnose, hypoxie, hypnose. Je retire cette stamina et dans ce cas là on fait en sorte que ce Grandpa possède un peu plus de points de vie. Et là, on monte tout de suite à 279 de points de vie, ce qui est très très agréable. On va pouvoir mettre les 3 points ici pour avoir un point de défense supplémentaire. Encore une fois, je le répète, les Theorycraft sont quelque chose de très personnel. Et si vous avez besoin de modifier pour dépasser certains Temtem, faites-le. Ici, quand on fait les Theorycraft sur les Temtem, c'est pour faire en sorte de vous donner une idée de comment le Temtem peut être joué. Ça ne veut pas dire que vous devez le jouer de cette manière. Je vous donne une manière. Maintenant, si vous avez une idée sur une technique, jouez-le d'une autre manière. Voilà. Concrètement sur Grandpa, même principe que pour Adoroboros et tous les Temtem spé qui frappent fort,
on veut un Temtem qui puisse potentiellement nous buffer l'attaque spéciale avant qu'on puisse frapper. Comme d'habitude, Obiten, Kazuma qu'on a fait la semaine dernière, Enfatir, tous ceux qui ont des potentiels Spark peuvent être intéressants sur ce dernier. Et jouer avec la fausse barbe, quand vous jouez avec Grandpa Fausse Barbe, vous partez, vous revenez, vous lui faites récupérer, vous contrôlez le terrain avec Mélancolie Hypnose. Voilà, c'est un peu le principe de Grandpa en PvP. Voilà. YouTube, short, but, intensive, donc court mais intense. Le Theorycraft 2 Grandpa est terminé. Pas grand chose à dire sur ce Temtem puisque malheureusement il y avait beaucoup plus à dire avant, puisque Grandpa avant le nerf de la statistique vitesse, on va vous le montrer quand même, hein, histoire de faire un peu des archives et de l'histoire. On avait frappe hypercinétique qui était joué sur Grandpa, et dans son kit à ce Grandpa on avait également turbo chorégraphie, puisqu'avant la vitesse donnait beaucoup plus de vitesse que prévu, elle est passée de 50% à 25%. Quand on lit la technique frappe hypercinétique, on va avoir beaucoup plus de value à jouer vitesse, puisque les dégâts de la technique varient en fonction de la vitesse du Temtem. Vous avez compris le principe, avant Grandpa était joué avec beaucoup de vitesse, était joué avec des turbo chorégraphies synergisées pour avoir plus de en vitesse assez rapidement, et ensuite on lâchait la bête avec frappe hypercinétique pour faire énormément de dégâts. C'est pour ça que les kits de Grandpa sont devenus un peu trop génériques et ne sont plus aussi formidables qu'avant. Voilà, on peut terminer cette VOD là-dessus. Je vous fais la bonne bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour 5 futurs autres Theorycraft. On a oublié de sauvegarder l'équipe et de la personnaliser pour que vous puissiez la retrouver vite. Stream du 23-11-2021, 07.1. Et on la met en public, c'est parfait, on sauvegarde. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon, il a fait du pipi. 23-11-2021-07. 6. Tac, sauvegardez. Et on est bon. Vous n'avez plus qu'à taper mon pseudo dans la barre au-dessus. Et vous allez dans les équipes compétitives et vous pourrez retrouver tous les Theorycraft qu'on a fait. Blablabla, vous connaissez la chanson. En attendant, je vous fais la bonne bisou et je vous dis à la prochaine.